Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonsoir. Bonsoir. Ben, je viens de changer d'endroit parce que j'avais des problèmes de connexion. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce 41e webinaire et de nous retrouver puisque c'est ce premier de la saison 2023-2024. 41e webinaire en 3 ans, un petit peu plus de 3 ans. Nous sommes vraiment très heureux de tout ce travail engagé ensemble. Voilà, nous attendons parce qu'il y a encore un petit peu des participants qui s'inscrivent. Ce soir, donc, je vais partager, excusez-moi mon écran, j'avais des petits soucis, ça va venir. Voilà, petit souci de. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, Vincent? C'est Oui, bon. ça marche. Absolument. Voilà. Donc, bienvenue. Ce soir, j'imagine beaucoup de nos collègues orthophonistes, puisque Catherine et Monique ont pu diffuser par l'intermédiaire de la FNO. On a aussi beaucoup diffusé du côté du médico-social, du côté du sanitaire, du côté de l'éducation spécialisée. Ce soir, donc, c'est troubles des apprentissages et des fonctions cognitives avec deux collègues que nous connaissons bien, Catherine Billard et Monique Touzin, qui ont beaucoup travaillé ensemble. Donc, Catherine, vous êtes neuropédiatre, médecin des hôpitaux, vous avez travaillé très, très longtemps au CHU, donc hôpital pédiatrique du Kremlin-Bicêtre, et notamment au CRTA, centre de référence pour les troubles d'apprentissage. Monique, orthophoniste spécialisée dans le langage. J'ai presque envie de dire, est-ce qu'on présente encore Monique? On en connaît les publications, les travaux, les conférences. On s'est rencontrés beaucoup de fois également, Monique, depuis de très nombreuses années. Toutes deux, vous êtes à l'origine de la fondation du Centre Paris Santé Réussite. Vous nous en direz peut-être un petit mot. Et vous développez ARTA, l'Association pour la recherche et la formation sur les troubles d'apprentissage, donc beaucoup d'activités, à la fois de formation, de transmission, mais aussi de clinique, puisque à l'origine, vous étiez aussi pour avancer du côté des modèles neurocognitifs, des troubles développement, des troubles du neurodéveloppement, et vous avez beaucoup contribué à ce que les praticiens s'ouvrent à ces nouveaux modèles. Voilà, vous avez un projet plus récent d'évaluation des effets d'intervention pédagogique, ça c'est intéressant, donc c'est un petit peu longitudinal d'une certaine manière, sur les collégiens avec troubles du langage écrit et ou des mathématiques, voilà. Mais ce soir, donc, c'est là votre terrain d'expertise, on va le dire, notamment à travers la présentation de la BMTI, la batterie modulable des tests informatisés, donc on va prendre le temps, 35-40 minutes de présentation. Et puis, comme chacun le sait, si vous nous rejoignez par fidélité ou si vous êtes nouveau, ce webinaire est enregistré pour un accès en replay dès demain matin. Voilà. Et vous aurez également sur le site de la PPEA le PDF qui vous peut être présenté ce soir, du PowerPoint qui vous sera présenté ce soir. Un rappel, parce que vous posez souvent ces questions, non, nous ne pouvons pas délivrer d'attestation de formation de suivi. C'est impossible, on ne peut pas, ça serait pas légal, ça serait pas officiel. Donc, notre conseil, si vous voulez auprès de votre employeur montrer et justifier que vous avez suivi, ben, vous faites une capture d'écran et vous envoyez votre récépissé d'inscription pour faire valoir ce suivi. Voilà. Théodore et Vincent donc seront au traitement de vos questions. Vous avez l'onglet discussion en bas. Voilà, vous nous dites un petit peu vos interrogations. Souvent, vous nous dites bonjour, ce qui est déjà beaucoup le cas, d'un petit peu partout. On aime beaucoup parce que ça nous permet tout de suite de voyager très très loin avec vous. Voilà. Et en deuxième partie, Vincent et Théodore, je vous donnerai la parole pour que vous puissiez synthétiser. Et puis faire retour à Monique et à Catherine des principales questions, voire parfois des questions un petit peu plus précises ou pointues. Voilà, n'oubliez pas quand vous allez dans l'onglet discussion, si vous voulez que ce soit lu par tout le monde, ce qui est souvent le cas, ben, mettez bien coché envoie à tout le monde, sinon vous n'envoyez qu'à ceux qui interviennent. D'accord? Voilà, et ben, donc vous pouvez prendre la main, je crois qu'on commence par
vous, Monique, et puis ensuite par Catherine. Et là, on a un petit partage d'écran à faire, une petite manipulation qui va prendre quelques secondes. L'avantage, c'est que vous êtes l'une à côté de l'autre, hein, donc ça, on va éviter, je pense, les bugs ou les manipulations un petit peu compliquées. Voilà, est-ce que c'est bon? On arrive, bonjour à tous. On cherche juste comment prendre la main. On a un petit peu répété tout à l'heure, mais c'est toujours, voilà, quand on est en direct, c'est un petit peu compliqué. Ben, je n'ai pas la barre pour prendre la main. Donc, Partager l'écran, non? Non, je n'ai pas la barre. Je fais une petite manip. Hop. Alors, il faut la retrouver. Ben, je vais arrêter le partage. Voilà. Est-ce que c'est peut-être disponible? Voilà. Et peut-être que Vincent va pouvoir, Monique, elle est en bas, non? Vous la donner. C'est en bas. Non. Vous n'avez pas la barre de commande de Zoom? Ben non. Alors là, profite, il y a une question qui arrive. Pouvons-nous recevoir le PowerPoint? Oui, c'est un PDF qui vous sera disponible. Hein. Donc vous pouvez, il sera disponible sur le site internet et sur le replay. Si tu te mets voilà. Et vous aurez également accès au replay. Voilà. Sinon, il faudra que l'un de nous. Robert, sinon, est-ce que tu gardes la main pour passer les Alors, ben, je vais peut-être garder la main, puis vous me dites, qu'est-ce que vous en pensez? On reprend. Compatibilité de version, parce que j'ai fait ce qu'il fallait, a priori, pour vous donner la main. Normalement, pas de problème. Ben, ça a marché tout à l'heure. Ben oui, ça marchait tout à l'heure. Ouais. Écoutez, voilà, on y va. On y va. Ok, donc bonjour, rebonjour à tous. Je vais commencer cette présentation en vous donnant quelques éléments déjà sur l'étalonnage et ensuite je vous présenterai les ressources de la BMTI concernant les apprentissages. Donc il y aura lecture, dictée et cognition mathématique et ce qu'on appelle les fonctions verbales, c'est donc le langage oral. Donc, c'est une batterie de première intention qui a été parfaitement étalonnée puisqu'il y a 1074 enfants normaux représentatifs de la population nationale, tant sur le plan géographique que des catégories socio-professionnelles qui ont participé à cet étalonnage, soit des enfants de 4 à 13 ans, pour de la moyenne section à la cinquième. Ce qui fait qu'il y avait quand même plus de 100 enfants par classe. Les normes sont données en 7 classes. Alors, vous avez au-dessus par couleur les 7% les plus faibles en rouge, de gauche à droite, puis 13%. En vert, vous avez les 60% qui sont dans la moyenne, qu'on a découpé moyen faible, moyen, moyen fort, et les forts et très forts en bleu. La batterie a aussi bénéficié d'une validation externe, soit 191 observations, qui ont montré que finalement, c'est un outil fiable et sensible pour ce dépistage des troubles des apprentissages. Pourquoi un outil de première intention? Ben, parce qu'il y a beaucoup de demandes d'évaluation pour les difficultés scolaires, que ce soit dans le cadre d'un TND ou autre, et qu'il faut apporter une réponse rapide face aux questionnements et à la souffrance des familles, d'autant plus que les accès aux spécialistes maintenant sont très longs et difficiles à obtenir. Donc, ça veut dire que n'importe qui peut faire passer la BMTI, professionnel de santé et psychologue s'entend, pour pouvoir rechercher la nature des difficultés en une seule fois. On peut faire les apprentissages, il y a un module apprentissage, un module langage oral et Catherine vous présentera le module fonctions non verbales et les fonctions attentionnelles et exécutives. Bien sûr, c'est une batterie modulable, ce qui veut dire qu'on peut adapter l'évaluation selon la plainte, selon l'anamnèse, selon la question qu'on se pose et ce n'est pas une obligation de faire tous les domaines en même temps.
Donc, les apprentissages, on va commencer par la lecture. La lecture, c'est évidemment un élément très important de la réussite scolaire. Il convient de vérifier si l'enfant a les bases de la lecture pour pouvoir progresser et comprendre les textes qu'il lit, selon sa classe. C'est-à-dire que la BMTI, dans ce but, a proposé de vérifier le déchiffrage, puis la compréhension, à un niveau adapté à la classe suivie de l'enfant, et cette compréhension est évaluée par une série de questions. Et on obtient 3 scores différents sur la vitesse, l'exactitude et la compréhension, qui sont vraiment les 3 piliers de la lecture. Il y a aussi un score global qui peut être donné. Donc, quelques exemples des supports qui sont proposés. Là, vous avez à gauche les textes qui vont du CE1 au CM1, c'est-à-dire on fait CE1 premier paragraphe, CE2 deux paragraphes, CM1 trois paragraphes. Et à droite, vous avez ce qui est visible d'emblée sur la tablette sur laquelle vous faites passer les épreuves et qui permet une cotation immédiate des réponses de l'enfant. Ensuite, vous avez un texte plus compliqué, la diapo suivante, voilà, merci, sur l'apprentissage sorcière, qui est un texte pour les CM2 et 5e. Vous voyez que le contenu est plus important et que les questions sont aussi plus difficiles, avec notamment des notions inférentielles à rapporter. Pour la transcription, elle se développe parallèlement à la lecture. La transcription, elle est d'abord phonétique, puis l'enfant acquiert l'orthographe lexicale, puis l'orthographe grammaticale. Donc, la BMTI propose cette évolution dans la difficulté des supports. D'abord, une transcription de syllabes pour les petits, puis des phrases, et enfin des textes pour les collégiens. Il y a 3 scores différents qui sont donnés pour cette épreuve. Un score de phonétique, un score lexique et un score grammatical. On mesure aussi le temps de la transcription qui va être à mettre en rapport avec la dysorthographie s'il y en a une, voire la dysgraphie si elle existe aussi. Et c'est pour ça également qu'on a une évaluation de la calligraphie qui est disponible. Quelques exemples de des supports qu'on peut donner, c'est-à-dire que là, pour un CE2, par exemple, vous avez sur la première ligne à gauche ce qu'on appelle des logatomes, c'est-à-dire c'est des mots sans signification, et là on teste uniquement la transcription phonographémique, c'est-à-dire l'enfant entend courti, pradu, dimanco, splon, esprend, il doit l'écrire comme il veut, mais de façon à ce que ça fasse ce qu'il a entendu. Et on dicte une phrase, une curieuse expédition s'est mise en route en automne et a atteint le sommet de la montagne au printemps. Donc, on voit à droite le tableau qui donne directement l'accès aux normes par les croix qui sont placées dans l'étalonnage. Donc là, on voit que cet enfant est très faible au nombre total d'erreurs en erreurs lexicales grammaticales et encore plus faible que le plus faible que l'on ait trouvé dans l'étalonnage pour la phonétique. En dessous, Alice, c'est le texte qui est dicté pour les enfants de 5e avec exactement les mêmes domaines qui sont évalués. Donc, la question, c'est quand fait-on ces épreuves de langage écrit et qu'est-ce qu'on en fait ensuite? Il faut le faire, bien sûr, dès qu'il y a un doute ou une plainte sur l'apprentissage du langage écrit. Si les difficultés sont dépistées, il faut en préciser le profil. Est-ce qu'on est sur des difficultés qui sont liées uniquement au déchiffrage et à la compréhension, uniquement à la compréhension? Les préconisations, ensuite, vont dépendre de cette évaluation. Si le déficit est en déchiffrage, c'est-à-dire que l'enfant a beaucoup de difficultés dans les liens entre le son et la lettre, des interventions pédagogiques précoces peuvent être recommandées. Si le déficit est en compréhension de lecture, il faut déjà chercher pourquoi l'enfant comprend mal. Ça peut être en raison de son déchiffrage, donc là, il relève des interventions pédagogiques. Ça peut être en raison de son langage oral qui n'est pas suffisamment performant. Et puis, il est aussi possible de faire des interventions pédagogiques sur les stratégies de compréhension pour apprendre à l'enfant comment comprendre tout en lisant un texte.
On va adresser en orthophonie aussi des enfants qui ont des critères de sévérité dès le CP. Et si le déficit est toujours présent en CE1 ou si les troubles de la compréhension persistent alors que l'enfant a eu les interventions pédagogiques adaptées, là, il faut faire en rééducation un bilan d'abord pour établir le profil qui fixera les axes de rééducation. Dans tous les cas, il est toujours recommandé, on le verra un peu dans tous les domaines d'apprentissage, qu'il y ait concomitamment des adaptations et des aides scolaires qui soient décidées en coordination autour de l'enfant. Dans ce domaine-là, il est utile aussi de rechercher les troubles associés. Les maths, on va en parler, sont des troubles fréquemment associés. Le langage oral, on en a parlé, mais aussi d'autres domaines comme le raisonnement et l'attention qui sont très impliqués dans la compréhension. En ce qui concerne la cognition mathématique, il est toujours recommandé d'évaluer ses acquisitions en maths dans les plaintes sur les apprentissages. Les difficultés y sont très fréquentes, souvent méconnues et très souvent associées aussi à d'autres troubles. Il faut faire attention à l'effet domino. Ce qu'on appelle l'effet domino, c'est que si l'enfant n'a pas les premières notions, notamment les notions sur le nombre, ça risque d'invalider complètement sa progression dans les apprentissages mathématiques. À ce titre, la BMTI propose une évaluation des différentes composantes en maths, le nombre, par dictée, lecture de nombre et chaîne verbale. Des épreuves de calcul mental, c'est des épreuves en fait de fluence de calcul mental et d'opération, et une résolution de problèmes. Quelques exemples, donc là, toutes les épreuves sur le nombre sont basées sur le triple code, le modèle du triple code de Dehaene et Cohen, les liens entre le code analogique, le code verbal et le code arabe, et l'enfant devant pouvoir mettre toutes ces dimensions en rapport les unes avec les autres. Les épreuves sont différentes selon les classes, bien sûr. On fait de la dictée de nombre, par exemple, en CE2 et de la lecture de nombre. On écoutera la lecture de nombre tout à l'heure, mais en fait, la dictée de nombre et la lecture portent sur les nombres particuliers. Hein, on verra 93, 70, 97, ces nombres particuliers qui sont évalués dans les deux domaines. Les zéros intercalaires, comme dans 8070 et en transcription sur le 5072, où est-ce qu'on met le zéro. Et pour les plus grands, dans les nombres qui sont dictés au collège et qui sont lus, il y a l'apport des décimales. Quand l'enfant doit écrire en décimales 8 et 3 centièmes, 2 et 31 millièmes, 20 et 3 dixièmes, et puis les très grands nombres comme 11 millions 1101. On peut écouter la vidéo de cette jeune fille de CE2 qui lit les nombres qui sont inscrits sur le cache. Robert, si vous pouvez mettre la vidéo en bas sur l'image, en bas de l'image. Tu vas mettre ton son, Robert, parce qu'on n'entend pas le son. Et le dernier 732 000. On n'a pas bien entendu, mais bon, cet enfant a beaucoup de difficultés avec les nombres particuliers et les grands nombres. 143. Celui-là. 1400. 8060. Et le dernier. 732 000. Merci. Donc, on a bien entendu les difficultés de cet enfant. La suite des épreuves, c'est pour le collège des opérations qu'il doit faire en ligne hein, sans les poser sur la base 10, des épreuves de fluence de calcul qui commencent en CE1 avec les additions. Il y a une page comme ça d'addition, une page de soustraction et c'est en une minute.
Après, on rajoute dans la classe suivante les multiplications, puis les divisions, puis cette page-là qui sont toutes les opérations mélangées et toujours par session de 1 minute. Donc, on calcule combien d'enfants, combien de calculs corrects l'enfant fait en 1 minute. Les problèmes sont progressifs aussi selon l'âge de l'enfant et la classe, des plus simples aux plus compliqués, avec l'idée de voir comment l'enfant peut se représenter la situation problème et surtout faire le lien entre l'énoncé et les opérations arithmétiques correspondantes. Donc, quand fait-on ces épreuves de maths et qu'est-ce qu'on en fait? Et on fait les épreuves devant une plainte ou un doute sur les mathématiques, ce qui n'est peut-être pas le plus fréquent, mais en tout cas, il faudrait l'évaluer aussi chez les enfants qui sont déjà suivis pour un trouble du langage oral et écrit ou un trouble de l'attention, car ce sont des difficultés qui sont souvent comorbides et qui passent souvent inaperçues. Si les difficultés sont dépistées, on en précise le profil. Pour faire des interventions pédagogiques d'emblée sur le nombre et le calcul dès les petites classes, parce que c'est ça l'effet domino, c'est ce qui va déclencher après les autres apprentissages. Et pour les problèmes, il faut faire des interventions pédagogiques aussi sur la compréhension des énoncés, la mise en relation des données, après avoir vérifié effectivement si c'est plutôt la compréhension du langage ou le raisonnement ou les notions mathématiques qui ne sont pas acquises. En cas de difficultés sévères ou de persistance de difficultés malgré les interventions pédagogiques qui ont pu être menées, il est utile de faire un bilan spécialisé par le TEDIMAT ou l'EXAMAT pour voir le profil fin des troubles et envisager les axes de rééducation. Et tout comme pour le langage écrit, il ne faut pas oublier les adaptations et les aides scolaires en coordination avec les enseignants. Autre domaine, le langage oral. Le langage oral, alors, il est important chez les jeunes enfants et on l'a vu chez les enfants lecteurs qui présentent des difficultés dans la compréhension de ce qu'ils lisent. La BMTI propose, donc, il y a 3 épreuves minimales qui sont rapides à faire passer. La phonologie, je vais revenir dessus. L'expression syntaxique avec 2 épreuves et la compréhension lexicale qui est une épreuve en fait de désignation d'image. Ces 3 épreuves-là sont un bon reflet des compétences de langage oral de l'enfant, mais on peut les compléter aussi par la compréhension syntaxique, l'évocation lexicale et le raisonnement verbal. Je vais illustrer un petit peu sur les épreuves de phonologie. Donc, vous inquiétez pas, elles sont enregistrées sur la tablette, vous n'avez pas à vous entraîner, qui sont de plus en plus difficiles pour regarder comment l'enfant peut répéter des mots sans signification, ça veut dire comment il peut les analyser et les répéter. Ensuite, les épreuves syntaxiques. Donc, la première épreuve, complétion de phrase, l'examinateur dit la première phrase qui est écrite ici, l'enfant va à l'école, et en montrant la deuxième image, il donne le début de la deuxième phrase que l'enfant doit compléter. Et on a créé aussi une épreuve de répétition de phrase, car selon la littérature, notamment Maillard et Paris, disent que c'est vraiment une bonne épreuve pour dépister les troubles du langage oral. Et cette épreuve prend en compte à la fois l'empan de mots, c'est-à-dire le nombre de mots maximum que l'enfant a répété dans la phrase la plus longue qu'il ait correctement répété, mais aussi les éléments syntaxiques qui sont dans la colonne de droite, qui cible spécifiquement certaines difficultés dans les phrases qu'il avait à répéter. Les épreuves de compréhension lexicale, c'est des épreuves classiques de désignation d'image. L'enfant clique sur la bonne image, à gauche, il doit cliquer sur l'uniforme et à droite, sur le félin. Donc, quand est-ce que l'on fait ces épreuves de langage oral? Et bien, quand il s'agit de dépister les déficits du langage oral, surtout en maternelle, et plus tard, s'il y a des difficultés qui apparaissent, notamment dans la compréhension de lecture. Si l'enfant est en difficulté sur le vocabulaire et la syntaxe, il est toujours utile de faire une aide pédagogique en maternelle de renforcement du vocabulaire et de l'élaboration de la syntaxe. On sait aussi que tout trouble persistant en grande section de maternelle et si l'enfant a les critères de sévérité après 3 ans de trouble du langage, c'est une indication d'orthophonie pour aider à la communication, rééduquer le langage oral et préparer à la lecture.
Si la compréhension est déficitaire, il faut évaluer aussi les compétences cognitives non verbales dès le CP jusqu'au collège pour faire la part entre des difficultés linguistiques et cognitives plus générales. Et bien sûr, il faut repérer tous ces enfants qui ont des difficultés dans la communication, dans les apprentissages. C'est une indication de bilan orthophonique. Alors, ce qui est compliqué avec le langage oral, c'est que le langage oral, c'est un résultat de facteurs nombreux et intriqués qu'il faudra démêler lors de ces évaluations. Merci Monique, avec toujours ce ton pédagogique exceptionnel. On aimerait avoir cette fluidité de la présentation et du langage qu'on connaît bien donc chez vous. Le passage à Catherine Billard, excusez-moi, parce que la vidéo, je ne savais pas, étant donné que j'ai pris la main sur le PowerPoint, le défilé, je ne savais pas qu'il y avait la vidéo. Ouais. Donc, non, très vidéo, bien. Est-ce qu'il y a une vidéo, Catherine, aussi ou pas? Non, il n'y a pas de vidéo. D'accord, donc je serai un petit peu plus tranquille. Très bien. Très bien. Allez, c'est parti pour la deuxième. Donc, nous allons voir la deuxième partie des autres fonctions explorées par la BMTI, c'est-à-dire les fonctions non verbales dans le domaine praxique et le raisonnement, et les fonctions attentionnelles et exécutives, qui est une des raisons majeures d'avoir informatisé la BMTI. Donc la suivante, vous savez que les troubles du domaine praxique sont actuellement appelés troubles du développement. Voilà, trouble du développement de la coordination. Cette définition du trouble de développement de la coordination est en fait sur la balance gestuelle motrice par un test psychomoteur qui s'appelle le MABC. Or, il se trouve qu'il y a un questionnaire de dépistage, le DCDQ, téléchargeable gratuitement, dont je vous ai mis les 15 questions là à côté, qui est très corrélé à cette balance gestuelle. De sorte que nous avons cibler plutôt les épreuves de la BMTI sur des épreuves complémentaires, le graphisme, l'écriture et la visio-construction. Suivant. Donc, pour le graphisme, il est étudié par deux types de copies de figures, une copie de figure simple sur la gauche et une copie de figure complexe sur la droite. Et à chaque fois, on a deux scores, un score de réussite et un score de temps donné directement par l'application. On sait que la cotation de figure est très subjective, donc nous avons fait un livret spécial pour vous expliquer les cotations des différentes épreuves et surtout, dans l'étalonnage, nous avons fait une cotation interjuge pour vérifier que deux juges aveugles, il y avait bien le même résultat corrélé du score total. Donc, vous avez sur la gauche, les trois figures simples à copier et vous avez sur la droite la figure plus complexe faite pour apprécier la topologie qui est un petit peu relight, même si elle est plus simple que la figure de Ré, cotée par 10 éléments et vous voyez les productions des enfants en dessous. La suivante. La calligraphie, alors Monique en a dit un petit mot, la dictée nous permet effectivement d'apprécier la calligraphie en même temps que l'orthographe. La calligraphie, elle est cotée et mesurée, étalonnée sur un indice en 6 points qui a été créé à partir des éléments du BHK. Et on va vous montrer les images, c'est-à-dire si tu peux cliquer là. Là, Nino, qui est scolarisé en CE1, vous voyez sa dictée, enfin, ou plus exactement, vous voyez assez précisément qu'il a un graphisme catastrophique. Et si on va plus loin, on verra que sa copie de figure est tout aussi catastrophique. Donc, on peut dire que Nino a un indice calligraphique très faible, une dysgraphie qui relèvera des professionnels adaptés. En même temps, il est aussi intéressant de pouvoir voir qu'avec cette dysgraphie, il ne se débrouille pas si mal en dictée. Les scores sont certes faibles, mais ce n'est pas si important. À l'inverse, si l'on voit maintenant Simon, on voit que sa dictée, de première intention, c'est difficile de dire sa calligraphie. En revanche, on voit que l'orthographe est loin d'être parfaite.
Donc, si on code son orthographe, on voit qu'effectivement, elle est très faible, très, très faible, ainsi que la lecture. Donc, chez Simon, nous avons avant tout un trouble du langage écrit qui relève de l'orthophonie, mais il faut savoir que son indice de calligraphie est aussi faible et qu'il faudra revoir ça dans les classes suivantes. Enfin, la troisième épreuve est une épreuve, spatiale, deux épreuves, deux versions d'une construction de 15 items et proposer une version simple pour les enfants petits et une version plus complexe pour les enfants de CE1. C'est à partir du CE1. Vous voyez sur la partie droite une des constructions assez complexes, je suis incapable de la faire moi personnellement, et que l'enfant non plus n'arrive pas à faire. Et vous voyez sur la partie gauche quelque chose de plus simple, qu'il réussit un peu mieux, mais pas suffisamment bien, car il y a trop de décalage entre les cubes. La suivante. Monique, donc, je pense que la figure à gauche, elle est bien faite. Eh bien, nous avons étalonné avec une cotation aussi interjuge, et elle est certes bien elle faite est bien sur faite, le plan là. Spatial. Elle est bien faite. mais dans les... C'est mal ajusté. Les psychomotriciens et ergothérapeutes sont très sensibles aussi à l'ajustement entre les cubes. Donc, on a mis un critère qui est un critère de 5 mm, hein, c'est quand même beaucoup 5 mm, d'écart entre les cubes. C'est plutôt peu précis, mais ce n'est pas du tout spatialement déficitaire comme la figure de droite. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le plan des troubles? Quand est-ce que la VMTI peut rendre service dans le domaine praxis? S'il y a un doute ou une plainte évoquant un trouble du développement de la coordonnée, il est également utile d'apprécier le graphisme, l'écriture et la visioconstruction avec le petit décalage d'opinion qu'on a avec Robert sur la construction de gauche. Peu importe. Si les difficultés sont dépistées, il faudra mettre en lien l'âge de l'enfant, sa classe, la gêne, le profil des déficits, et vous avez compris la nécessité d'évaluer calligraphie et orthographe. Informer l'enfant, sa famille et son enseignant, écouter la gêne de l'enfant et l'inquiétude de l'entourage, et toujours faire des adaptations en fonction des demandes de l'enfant, mais aussi de la réalité. La BMT, finalement, permet de définir la nécessité d'évaluer, je dirais, pour rééduquer en ergothérapie et psychomotricité. Ce qui est indispensable à partir du CE1, s'il y a une dysgraphie manifeste comme Nino, qui sera aussi à revoir en fin de primaire et au collège, où l'augmentation des exigences peut nécessiter des compensations. Abordons maintenant le raisonnement assez rapidement. C'est une épreuve de matrice, de complétion de forme, qui est typiquement un peu comme les matrices du WISC. Je dirais simplement que nous l'avons validée dans la validation externe versus les matrices du WISC et qu'elles sont corrélées, et que donc ça peut nous donner un élément quand on a des difficultés qui nous posent problème vis-à-vis du raisonnement de l'enfant à définir les bonnes indications de l'examen psychologique. Passons maintenant à attention et fonction exécutive. Vous savez que les troubles de l'attention ont deux expressions possibles. Des manifestations comportementales que vous observez et aussi une expression cognitive qui nécessite des tests. Ils peuvent avoir l'un ou l'autre ou les deux. Deux épreuves de la BMTI totalement informatisées explorent particulièrement ces fonctions attentionnelles et exécutives comme première intention. Alors, pour faire très bref, les fonctions attentionnelles peuvent être vues sur deux axes, un axe d'intensité, où au maximum, ce qui est utile, c'est le maintien de l'attention pendant au moins 15 minutes, comme vous faites, et un deuxième axe, qui est l'axe d'attention sélective, de sélectivité, avec au maximum la possibilité de diviser son attention entre deux cibles. Les deux épreuves sont
deux épreuves essentielles sont l'attention contrôlée auditive et l'attention soutenue visuelle. La suivante, l'attention contrôlée auditive, c'est en gros c'est le paradigme de l'ANEPSI, mais enfin ce n'est pas l'ANEPSI qui l'a inventé, c'est un paradigme connu. Il faut deux parties indissociables, ça dure environ 7-8 minutes au total. Une partie contrôle et une partie conflit. L'enfant a devant lui la tablette avec ses formes, l'application énonce une succession de mots. Dans la partie contrôle, la consigne est que peu simple. Tu dois toucher le plus vite possible le rond seulement si tu entends le mot rond et ne rien faire quand tu entends un autre mot. On est donc dans une épreuve d'attention sélective où il faut distinguer la cible rond de tous les autres distracteurs. En revanche, dans la partie conflit, on est dans quelque chose de beaucoup plus exécutif. Et donc là, la consigne, c'est attention. Maintenant, quand tu entends rond, tu dois toucher carré, le carré. Quand tu entends carré, tu dois toucher le rond. Et quand tu entends triangle, tu dois toucher le triangle. Et enfin, ne rien faire quand tu entends un autre mot. On est donc dans une consigne plus complexe qui nécessite pour l'enfant d'inhiber la réponse automatique rond sur rond pour appuyer sur le carré et une flexibilité pour sortir de cette consigne contraire rond carré à une consigne simple, triangle sur triangle. L'avantage de l'informatisation, c'est qu'on a tout de suite donné automatiquement les scores. Donc, de la partie A, c'est simple, c'est le score de bonne réponse rond sur rond. Et c'est aussi les scores d'erreur qu'il peut faire. Il peut faire des bonnes réponses, mais appuyer aussi sur d'autres formes ou sur d'autres mots. Et puis, dans la partie B, c'est deux scores de bonne réponse. Un score de bonne réponse de flexibilité rond sur carré, et un score de bonne réponse triangle sur triangle. Et évidemment, les scores d'erreur aussi. Si nous prenons notre exemple Sarah, nous voyons qu'elle a parfaitement réussi l'épreuve contrôle, comme pratiquement tous les enfants, qu'en revanche, elle est en grande difficulté pour les ronds sur carré et également pour le triangle. Diapositive suivante. La deuxième épreuve d'attention est totalement différente. C'est une épreuve d'attention soutenue, visuelle. Elle dure 14 minutes. C'est un petit peu ennuyeux pour l'examinateur et pour l'enfant, mais c'est indispensable pour mesurer le maintien de l'attention. C'est un paradigme de continuous performance test. Là, la consigne est que peu simple. L'enfant a devant lui la tablette et il voit défiler des ronds. Il y a 360 ronds qui vont défiler en 6 blocs de 60 ronds, dont à chaque fois, il y aura 2 ronds noirs. Et ce qu'on lui demande, c'est tu dois appuyer sur la barre bleue dès que tu vois un rond apparaître le plus vite possible, sauf s'il est noir. On a donc un score d'attention soutenue, de maintien de l'attention, et un score d'inhibition sur l'appui des ronds. Et si on reprend notre petite Sarah, il y a deux scores essentiels de maintien de l'attention qui sont ceux que j'ai mis soulignés en noir, qui sont le pourcentage d'omission, et vous voyez qu'elle en fait beaucoup, c'est très faible, et le deuxième qui est l'écart type des temps de réaction qui traduit la variabilité, la fluctuation de l'attention qui est également très faible. Elle a aussi des difficultés à inhiber sur les ronds noirs. Diapositive finale, les deux épreuves complémentaires, je ne fais que les citer. Il y a une tour de Paris, alors c'est le même principe que la tour de Londres, la tour d'Hanoï, sauf que là, c'est complètement informatisé, c'est tactile, c'est l'enfant qui va déplacer les ronds pour aller de la position de départ à la position arrivée. Et une épreuve d'empan de chiffres, très simple, mais c'est l'application qui va énoncer les chiffres un par seconde. Si on reprend maintenant notre Sarah, on avait vu qu'elle avait des difficultés à la partie conflit de l'attention auditive, qu'elle avait des difficultés de maintien de l'attention à l'attention visuelle. Elle réussit très bien, comme son compétence intellectuelle, la tour de Paris, et elle a un empan de chiffres faible à l'endroit. Mais c'est pas, donc c'était une enfant de la validation, ces troubles de l'attention ont été confirmés par les tests là, qui ont été proposés, mais c'est pas fini. Maintenant, il faut voir dans quel contexte, avec quelle comorbidité,
se situent ces difficultés d'attention. Et on voit chez elle qu'elle a des difficultés de lecture et des difficultés de dictée, mais surtout des difficultés, la prochaine, surtout les difficultés, encore, surtout des difficultés de cognition mathématique. Vous avez là le niveau de cognition mathématique qui est très faible dans tous les domaines, et ça reprend ce que Monique nous disait tout à l'heure. Il faut que vous sachiez que 25% des troubles de la cognition mathématique sont associés à un trouble de l'attention qui est important à tester, d'où l'importance de tester les troubles des apprentissages. Enfin, pour finir, en ce qui concerne les difficultés d'attention, que faire de cette BMTI ? Eh bien, c'est intéressant, s'il y a un doute ou une plainte, d'apprécier le versant cognitif. On sait qu'il faut, dans ces troubles, s'intéresser à tous les versants, psychiques, comportementaux. Là, la BMTI permet le versant cognitif. On sait que la prise en charge, et c'est trop, on ne peut pas la détailler là, elle dépendra de l'ensemble des manifestations avec les différents outils que l'on possède. S'il y a un déficit à la BMTI, c'est intéressant de discuter l'indication d'une évaluation plus précise. Alors, pour l'attention, il n'y a guère que le QI-TAP, la TAP qui sont plus précises, ou le CTP2. Mais pour les fonctions exécutives, il y a quand même la FEE qui vient de sortir. S'il n'y a pas de déficit à la BMTI, notre validation externe a montré qu'il n'y avait pas d'enfant qui avait une BMTI normale sur le plan attentionnel et qui aurait eu un déficit au test spécialisé. Enfin, il faut évaluer les conséquences. Pour finir, trois messages simples. Un, c'est un premier examen, mais qui permet de dépister chaque domaine affecté par les troubles des apprentissages. C'est accessible et partageable pour l'enfant. C'est l'enfant qui est le destinataire. Et je crois qu'il est important de la diffuser dans l'école pour un meilleur parcours entre pédagogie et soins. Évidemment, la BMTI ne remplace pas les évaluations spécialisées, elle ne remplace pas l'évaluation des aspects psychologiques, qui est tout à fait complémentaire. On sait que souffrance et sévérité ne sont pas forcément corrélées et que les exigences de l'environnement scolaire et familial, voire de l'enfant, ne sont pas toujours adaptées. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monique. Deux interventions assez magistrales qui évoque tout de suite un certain nombre de questions qui vont être synthétisées, puisque certaines ont été posées dans le chat et dans la discussion. Quand même une interrogation d'emblée, je crois qu'il va croiser pas mal de questions, c'est combien de temps quand même, et cette modulation, elle est en moyenne, elle nécessite à peu près quel mode d'intervention en moyenne ? Alors, Je vais répondre et tu compléteras. En gros, là, l'enfant arrive avec une plainte. S'il y a une plainte, on commence par le domaine de la plainte. Donc ça, pour chaque domaine, c'est, disons, entre 20 minutes et 30 minutes. Alors, ça peut être beaucoup plus court, le langage oral, c'est pas plus de 10 minutes à quart d'heure. Pour les collégiens, c'est un petit peu plus long parce que le texte est long, etc. Donc, c'est le domaine de la plainte dans un premier temps. Après, c'est aussi un peu la pratique du professionnel. Je pense par exemple aux psychologues qui ont des outils psychométriques. C'est sûr que les complétions de forme ne vont pas forcément être utiles pour eux. En revanche, ça peut être utile pour eux d'apprécier les apprentissages et en particulier la cognition mathématique. Tu peux compléter ou est-ce que c'est parfait. Je pense que c'est aussi un outil qui est partageable et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que pour les orthophonistes, ça ne va peut-être pas être la priorité de faire les apprentissages en langage écrit, langage oral, parce qu'elles ont des outils. D'accord. Et si les enfants consultent chez l'orthophoniste, il y a déjà une plainte dans ce domaine-là. En revanche, moi, je trouve très intéressant de pouvoir tester la cognition mathématique, car ce n'est pas systématiquement fait lors du bilan orthophonique pour le langage écrit ou oral, et puis de lever les doutes, effectivement, sur les atteintes d'autres fonctions cognitives.
C'est vraiment, ça m'apparaît, je ne la connaissais pas, comme une batterie vraiment multidimensionnelle et en même temps, elle appelle à la pluridisciplinarité. Mais je pense que c'est des questions qui apparaîtront par rapport au temps quand même nécessaire d'investigation et d'exploration des difficultés des enfants. Mais je crois qu'il faut bien comprendre qu'on n'est pas forcé de tout résoudre dans un premier temps. C'est-à-dire qu'on peut, dans un premier temps, en fonction de la plainte, faire une première épreuve. Et puis, je pense par exemple aux enfants de la validation externe. On disait, en fonction de la plainte, il fallait commencer par l'épreuve de copie de figure et l'épreuve de dictée pour avoir la calligraphie. Et puis, voir s'il y a des difficultés spatiales. Et puis après, on peut très bien, en suivant l'enfant, 3-4 mois après, se poser la question d'éventuels troubles associés. C'est comme ça qu'elle est intéressante à utiliser. Elle n'est pas du tout conçue comme étant de A jusqu'à Z. Elle est conçue comme étant modulable et, comme vous venez de le dire, partageable entre plusieurs disciplines. Un petit peu la vraie coordination autour de l'enfant, quoi. Théodore et Vincent. Oui. Il y a eu pas mal de questions, hein, beaucoup de questions un peu, mais qu'on va résumer. Mais une première partie sur très pratico-pratique, qui peut faire passer ce test? C'est beaucoup revenu. Est-ce que c'est les enseignants spécialisés peuvent le faire? Un psychopédagogue, ortho et psychologue, vous avez déjà répondu. Voilà. Et puis après, comment on peut l'acquérir et qui peut l'acheter aussi? Est-ce que je peux rajouter une question complémentaire sur ces aspects-là? La prise en main, je dirais, est-ce qu'elle, d'après votre expérience, nécessite quand même qu'on soit accompagné, qu'on soit guidé, qu'on suive éventuellement une formation d'une demi-journée ou d'une journée? Comment vous voyez ça? Alors, bon, je vais refaire la prise en main. La prise en main est assez simple. En fait, c'est assez intuitif parce que sur la tablette, tout est indiqué, ce qu'il faut faire, dans quel ordre on le fait, etc. Donc, la prise en main est assez facile. Là où il peut y avoir des difficultés, en fait, c'est surtout sur l'interprétation des données. Après, il faut avoir des notions quand même un petit peu des structures cognitives pour comprendre les liens entre les différentes épreuves. Et voilà, mais sur le mode d'emploi, en fait, ça, c'est assez simple. Maintenant, bon, il y a aussi, bien sûr, des formations. Hein, mais je crois que les formations sont toujours très utiles et très demandées parce que ça permet d'échanger sur des aspects particuliers. Alors, vous avez posé la vraie bonne question, c'est-à-dire qui et comment. On est aujourd'hui en 2023, nous avons fait la BMTI pour les professionnels de santé. Et comme nous avons toujours travaillé en pluridisciplinarité dans les professionnels de santé, pour nous, c'était médecin, à condition qu'ils connaissent un peu quelque chose dans les troubles des apprentissages, c'était orthophoniste, psychologue, psychomote, ergo, etc. Maintenant, je crois qu'il y a un vrai problème français, ça nous amènera peut-être à parler un tout petit peu des interventions, c'est que vous savez que l'état de l'école publique et l'état des résultats scolaires des enfants en école publique est assez catastrophique. Et donc, il faut absolument mettre en place les vrais programmes d'intervention pour les enfants en difficulté. Donc, il faut réfléchir à ce que la BMTI arrive dans l'école. Évidemment, elle ne va pas être posée, elle va pas être effectuée par n'importe qui et pas à n'importe quel titre. C'est-à-dire que ce dont je me souviens de notre expérience PSR, c'était, je crois qu'il faut qu'il y ait dans les écoles un petit staff destiné aux troubles des apprentissages et du neurodéveloppement, qui soit avec un enseignant spécialisé, évidemment la psychologue scolaire et évidemment le médecin scolaire. La psychologue scolaire et le médecin scolaire ne feront pas toutes les BMTI. De toute façon, il ne faut pas faire la BMTI systématiquement. En revanche, on peut tout à fait imaginer que l'enseignant spécialisé, le psychopédagogue, fasse passer la BMTI compte tenu de sa simplicité, à condition
qu'il y ait une formation et qu'il y ait un staff d'interprétation et de réflexion avec les personnels de la santé. Je ne sais pas si j'ai répondu à ma question, c'est un peu avant-gardiste, je sais que ça peut déclencher beaucoup d'avis contraires, mais franchement, je peux vous dire que quand on voit que 30% des enfants de 6e et de 5e dans un collège ordinaire ont un niveau très faible, voire ou plusieurs scores faibles en langage écrit et en cognition mathématique, alors qu'ils ont un raisonnement normal, il faut quand même qu'on arrive à, comment dire, à répondre un tout petit peu mieux, un petit peu plus vite aux enfants. Mais okay. Je suis ouverte à la discussion. Ok, non, mais l'ouverture à la BMTI, mais pour d'autres professionnels avec une formation, pour pouvoir l'utiliser et le prendre en main au sein de l'école, quoi. C'est ça, mais évidemment avec une formation et évidemment avec un staff qui serait le garant de la bonne réalisation. Enfin, un petit peu comme vous quand vous avez une stagiaire qui fait une évaluation psychométrique, vous ne la lancez pas tout de suite sur l'évaluation toute seule. On a une expérience d'avoir formé un certain nombre de stagiaires psychologues, en particulier, ou orthophonistes, évidemment, sans aucune difficulté. Les médecins, les pédiatres se forment, les pédopsychiatres, je crois, un petit peu moins. Et je regrette un peu, si vous voulez, qu'elles ne soient pas aussi choisies pour, par exemple, dans les services de neuropédiatrie, dépister les troubles des apprentissages des enfants épileptiques ou des enfants ayant une tumeur, sans forcément faire d'emblée un bilan pluridisciplinaire, pour définir les axes de la gêne de l'enfant et ce qu'il faut faire. Un mot plus précis sur les formations, c'est le moment de le dire. Je veux dire, quelles sont celles qui sont proposées, comment elles peuvent s'organiser, est-ce qu'il y a des formations en intra, puisque Monique, vous parlez de constituer des pools ressources troubles d'apprentissage. Voilà, comment vous envisagez ça pour que, je pense, les personnes qui suivent, les professionnels qui suivent cette information. Il peut y avoir différents types de formations. On répond quand même aux demandes de formation, effectivement, d'institutions, d'associations, etc. Bon, il faut qu'il y ait quand même un certain nombre de personnes intéressées pour qu'on se déplace. Par de la FF10. Il y a la formation de la FF10 qui aura lieu en janvier. En janvier, tu as la date précise. 15 et 16 janvier. 15 et 16 janvier, donc sur le site de la FF10, Fédération française des 10. Hein, donc vous êtes membre toutes les deux du conseil scientifique. Exactement. Exactement. Et les formations, en fait, c'est intéressant soit pour que les gens s'initient un petit peu à ce que c'est, soit pour les gens qui ont déjà aussi un certain niveau et qui se posent les vraies questions sur l'interprétation. Et je pense que quand on parlait de tout le monde peut faire la BMTI, oui, mais pour en faire quoi après? C'est pour ça que vraiment on a mis un titre qu'en faire, vous avez vu la subtilité orthophonique dans le titre, mais c'est aussi parce que il faut que, si c'est fait à l'intérieur de l'école, il y ait une équipe derrière qui puisse décider ce qu'il est utile de faire pour le bien de l'enfant sur le plan pédagogique, voire sur les soins. Donc, il faut qu'il y ait quand même quelqu'un qui centralise un petit peu les interprétations pour en faire quelque chose pour l'enfant. Alors, vous posez quand même un vrai problème, effectivement, d'organisation de la formation. L'ARTA est une petite association et si on forme comme ça, parce qu'on fait des formations pour que 20 ou 25 personnes, au grand maximum, on va écumer la mer avec une petite cuillère. Donc, il faudrait réfléchir, et là, c'est une ouverture à la PPEA que je fais. Il faudrait réfléchir à un pool de formation de formateurs, si je puis dire, qui seraient intéressés sur les troubles des apprentissages, où il pourrait y avoir aussi d'autres éléments que la BMTI qui soient présentés. Je ne sais pas si je suis claire, mais sinon Monique me corrigera. Ne t'inquiète pas. Et sinon, vous avez aussi Orthoédition. Donc, la demande, c'était où est-ce qu'on peut l'acheter? Donc, à Orthoédition.
Orthoédition, qui est l'éditeur des orthophonistes plus spécialement, mais qui fait ce matériel pour tous les professionnels et qui le vend à tous les professionnels. Quand ils ont un doute, ils me demandent s'ils ont le droit de le vendre. Donc, généralement, j'ai dit oui à tout. Et Orthoédition peut aussi organiser une grande formation s'il y a besoin d'une formation. Il faut faire remonter en fait les besoins et on s'adapte après aux demandes. Très bien. Une demi-journée, c'est une journée. C'est quoi la formation habituelle? Généralement, on fait une journée, c'est court. Et deux journées, c'est bien si on veut travailler un peu sur les interprétations et voir en détail un peu tous les domaines. C'est ça. Une demi-journée, c'est vraiment la prise en main, c'est tout. C'est pas, c'est, enfin, c'est facile, mais ça va frustrer tout le monde parce que une journée, ça permet. L'idéal, ce serait une journée de formation pour présenter la BMTI à ceux qui ne la connaissent pas, et une autre journée après où les gens amèneraient des cas. C'est-à-dire que c'est ça qui, en fait, serait un peu innovant, c'est de faire… on avait été contacté par des CMPP, par deux CMPP, et on a fait ça, mais on a été un petit peu déçus parce que la deuxième journée, on s'est déplacé, mais il n'y a pas eu beaucoup de cas présentés. Nous, on en avait, mais il n'y avait pas eu beaucoup de cas présentés par les participants. Les deux jours… C'est pas mal parce que c'est la possibilité d'avoir d'abord différents intervenants avec orthophonistes, ergothérapeutes, psychologues, spécialistes des maths, enfin quelque chose d'un peu plus neuropsychologue, quelque chose d'un petit peu plus détaillé. Et ça, c'est ça qu'on pourrait demander pour, disons qu'il y a un projet, une réflexion sur qu'est-ce qui permet d'être professionnel de niveau 2 pour les troubles des apprentissages, c'est-à-dire pas seulement prescrire de l'orthophonie pour une plainte sur le langage écrit, mais examiner l'enfant et être un petit peu plus loin, ça serait un format qui serait intéressant. Merci. Peut-être Vincent ou à nouveau Théodore pour les autres questions. Il y a une question sur les avantages et les apports par rapport à des épreuves comme la NEPSI, par exemple la NEPSI 2 qui est très utilisée, ou des épreuves ou batteries qui sont utilisées habituellement par les RAZ. Alors, je vais continuer à être… il faut que vous sachiez que la NEPSI est très mal étalonnée en population française. Premièrement, donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps au centre référent où les ergothérapeutes et psychométriciennes nous disaient vraiment les épreuves, il faut vraiment être très, très déficitaire. Et en ce qui concerne l'attention, et je parle là sous couvert de Mario Speranza qui a beaucoup participé aussi aux évaluations et de la validation externe et des neuropsychologues. Comme premier temps, c'est les épreuves attentionnelles de la BMTI sont plus pertinentes que la NEPSI, qui n'a finalement guère que l'attention auditive, peut-être que je me trompe, et ou la TEACH, qui est un peu particulière et assez compliquée. Je ne sais pas si j'ai répondu aux questions. La BMTI n'évite pas, enfin, je veux dire, elle ne remplace pas l'évaluation psychométrique. Je pense qu'elle est beaucoup moins chère que la NEPSI, qu'elle apporte beaucoup de choses et qu'elle a été très largement étalonnée et validée versus épreuves complémentaires, dont la NEPSI. Donc, je penserais sur quelque chose de moins coûteux et de peut-être plus récent et plus français. Mais voilà. Merci. Dernière question. On a encore un peu de temps. Oui, encore 5 minutes. Ok. Bon, une question assez ouverte, hein, ça serait un peu compliqué d'y répondre de manière concise. Quelles seraient du coup les préconisations? Est-ce qu'il y en a dans le test ou sur les
sur les aides justement quand on cible des difficultés dans la batterie, au-delà des remédiations classiques. Est-ce qu'il y a des préconisations particulières pour les prises en charge ensuite? Oui, il y a les cas cliniques. Alors, il y a un livret de cas cliniques qui explique un peu les résultats pour certains enfants et ce qui a pu être préconisé après. Voilà, c'est principalement un outil de dépistage et d'évaluation. Donc, c'est pas une mallette de remédiation avec les outils de remédiation dedans. Mais de mieux comprendre quand même les domaines impactés, ça permet de mieux cibler les adaptations à faire et les remédiations à faire. Peut-être pour compléter, c'est vrai qu'on a un certain retard par rapport à des pays anglo-saxons ou finlandais, etc., sur la fameuse réponse à l'intervention, c'est-à-dire au niveau de l'école. L'école fait une bonne pédagogie en classe entière, les enseignants repèrent, il y a quand même les évaluations nationales, les enfants qui sont en difficulté font des petits groupes de besoins, et puis si ce petit groupe de besoins ne donne pas les réponses attendues, il y a la nécessité d'examiner. Cette mise en place de ce parcours pédagogie et soins, on est encore un petit peu en retard, hein, et je crois qu'on n'a pas, la BMTI n'a pas, on n'a pas eu cette vocation, mais je crois qu'il faudra qu'un jour on écrive quelque chose sur l'état actuel des interventions pédagogiques et la place de la santé dans notre modèle français par rapport à ce qu'on a comme données. Une dernière question peut-être avant de conclure. Il y a notamment une question par rapport aux enfants qui présentent des déficiences intellectuelles. Est-ce que la passation est faisable et adaptée pour ces enfants? Ah oui, oui, quel que soit l'âge et les compétences de l'enfant, puisque c'est une batterie d'évaluation des compétences, on arrive effectivement à avoir… Les consignes sont simples. Bon, alors, on ne se lancera peut-être pas dans les épreuves d'attention pour les enfants déficients, mais sur les apprentissages et les autres, le concept consigne-réalisation est assez simple. Le matériel est simple. En revanche, il faut bien comprendre que ce n'est pas un outil de diagnostic de la déficience intellectuelle, bien évidemment, hein. Il faut bien comprendre qu'il y a des limites. Oui, mais on pourra tester, voilà, les apprentissages. Justement, ce sera une façon d'avoir une petite idée de ce qu'il peut faire et de voir ce qu'on peut lui proposer, et évidemment aussi de repérage des enfants déficients. Dans nos programmes d'intervention, on a repéré des enfants déficients. Donc, il n'y a pas d'indice partiel ou global. Vous avez, c'est essentiellement par dimension cognitive et fonction cognitive que les résultats sont donnés. Absolument. C'est ça. Le seul indice qu'on a fait, c'est l'indice de cognition mathématique, parce que, comment dire, vous savez que c'était quand même un petit peu une catastrophe française, donc on a fait un indice global de cognition mathématique. Mais sinon, on n'a pas du tout d'indice global. C'est vraiment fait pour réfléchir à la plainte, la gêne, et explorer ce domaine-là, puis éventuellement compléter. En fait, ça sert à chercher les forces et faiblesses d'un enfant dans un profil d'enfant en difficulté scolaire, de comprendre, voilà, sur quoi on peut s'appuyer et sur quoi on doit intervenir. Mais par exemple, souvent, quand on commence, même quand il y a une plainte sur, alors je veux dire n'importe quoi, mais tu me corrigeras, sur par exemple le langage écrit ou la cognition mathématique, ben, on commence par une épreuve comme soit la compréhension lexicale, parce qu'elle est très rapide et les enfants adorent le côté écran, je le dis tout bas, et ou complétion de forme pour ne pas les attaquer, ou la copie de figure pour ne pas commencer par l'épreuve dont on sait qu'elle sera difficile. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas insisté sur l'attractivité de la tablette, mais c'est vrai que quand on a fait les étalonnages, il fallait les autorisations des parents. Il y a des parents qui ont refusé et les enfants étaient très, très frustrés en disant « mais moi aussi, je veux aller faire les jeux sur la tablette ». Donc, ils sont contents de faire les évaluations. On a,
Voilà, il n'y a pas d'enfant qui ait cassé une tablette de rage pendant les évaluations. On va peut-être terminer, sauf si Théodore et Vincent ont encore quelque chose à ajouter. Il y a eu beaucoup de questions, j'ai eu le temps d'aller regarder un petit peu. Quelques questions par technique, mais là, c'est déjà bien. Voilà. Monique et Catherine, vous allez recevoir tout le verbatim qui a été échangé ce soir. Ça vous permettra de voir aussi les réactions, celles qu'on n'a pas pu évoquer avec vous, avec des questions plus spécifiques. Je pense qu'on peut vous poser, enfin nous, si des questions nous arrivent, on vous les retransmettra, puisqu'on n'a pas, pas donné vos coordonnées, mais on aurait pu le faire. Hein, si vous aviez un mail, boîte postale, on va dire, hein, vous pouvez peut-être le donner, non, s'il y a des questions. De toute façon, il y a le mail contact@arta.fr. Très bien. Et puis on peut mettre nos mails, enfin moi personnellement. Non, mais très bien. contact@arta.fr. Arta.fr. En sachant qu'on ne le regarde pas tous les jours. Mais on veut le regarder. Parce qu'on n'a pas de secrétaire. Et là, vous allez, à mon avis, le regarder tous les jours. Voilà, on va le regarder. Merci infiniment, en tout cas, pour cette découverte qui donne envie d'aller beaucoup plus loin. Je pense qu'une batterie sur les apprentissages manquait vraiment dans sa facilité d'utilisation. Les aspects modulaires aussi, je trouve que c'est très intéressant. Donc, on va voir ensemble si on peut faire quelque chose autour de la formation, de la diffusion. On a aussi des grands webinaires. On va y réfléchir, bien entendu, puisque on vous a lancé la perche et puis vous l'avez bien saisi. Je voudrais, avant de terminer notre rencontre, donner l'information sur des inscriptions gratuites à ces 3 jours qui vont se dérouler les jeudis, vendredis et samedis 2, 3, 4 novembre. C'est la fin de la 2e semaine des congés des vacances de Toussaint. Voilà, c'est à l'Université de Paris-Nanterre avec l'AMAIF, le groupe VIVE, c'est-à-dire Mutuelle MGEN, Harmonie Mutuelle, etc. Voilà, la PPEA est responsable de ce comité scientifique et donc vous avez une 50aine de conférences d'intervenants, des tables rondes, c'est vraiment, et c'est gratuit, c'est à signaler. Et puis, se donner rendez-vous dans 15 jours avec quelqu'un forcément que vous connaissez tous, hein, Monique et Catherine, bien entendu, mais également ceux qui sont les 300 et quelques qui restaient présents pour ces minutes supplémentaires, voilà, avec Jacques Grégoire, autour de son ouvrage qu'il va publier là en octobre sur l'évaluation intellectuelle. Et donc, on sera encore dans le même registre. Hein. Quel test pour quel enfant et quel objectif? Clarifier la méthodologie d'exploration, d'investigation des fonctions cognitives, du développement intellectuel de l'enfant. Et on connaît bien Jacques Grégoire pour le côté pédagogique que vous avez parfaitement exprimé ce soir. Merci infiniment Catherine et Monique, ravie d'avoir passé ce moment de rentrer avec vous. Et puis donc, merci à vous. Merci à vous. À très bientôt. Et merci à tous ceux qui nous ont envoyé des messages de remerciements de là où ils sont. On parcourt toujours la géographie nationale et internationale avec plaisir. Voilà. Merci Théodore et Vincent pour votre contribution. Merci. Vincent qui est à l'origine de l'ensemble du dispositif, y compris le générique de début. Et on se retrouve donc dans 15 jours. N'oubliez pas de vous inscrire. Et puis donc le replay dès demain disponible, ainsi que le PDF de ce que vous avez eu ce soir présenté par Monique et Catherine. À bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.